Quand on avait émergé au milieu des ruines de Moscou, j'avais éprouvé à la fois de la crainte et de la tristesse. Mais après une vie passée sous terre, j'avais aussi été saisi par l'étrange beauté des ciels obscurs et des paysages gelés. « Voilà la ville morte, » a grommelé Bourbon. « Bienvenue à la maison, Artyom. » Fais très attention maintenant. Mais voici un heureux habitant. Les Stalkers, ces fichus démons remontent à la surface presque tous les jours. Ils cherchent de la ferraille, des munitions, tout ce qu'ils peuvent déterrer. Parfois, tu tombes sur des cadavres congelés comme des Esquimaux. Des bonhommes de neige en guenilles. Fouille bien la pièce, tu trouveras peut-être une autre cachette ici. Ils se construisent souvent des cachettes à la surface, au cas où. Donc fais bien attention. Et on n'aura pas de problème avec les réserves de munitions et de filtres. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, un filtre. Ça pourrait nous être utile. Des munitions, génial. Merci, mon pote. Prêt? On y va! Par lequel on descendra à la station aride. Puis on ira chacun de notre côté et je te donnerai mon AK, comme promis. Cache-toi, petit! Reste caché. Quand on sera dehors, si on tombe sur le monstre, rampe jusqu'à l'ouverture la plus proche. Certaines personnes les appellent démons, moi je les traite d'enfoirés. C'est ça la ville morte. Bienvenue chez toi, Artyom. Tu dois contourner, Artyom. Marche pas dans les flaques. Tu serais irradié dans cette merde. Tu vois ce bâtiment avec une porte? Ta cible, c'est un conduit d'aération dans l'arrière-cour. Il te mènera à la station aride. Je t'attendrai dans le bâtiment. Il y a un repère de rangers à l'étage supérieur. Dépêche-toi, et ne bouffe pas la neige jaune. Putain de merde!
J'ai pris le matériel lourd avec moi et je suis allé au nord à VDNKH. Nos vieux amis leur causent des problèmes. Si je ne suis pas revenu d'ici deux jours, rassemble nos hommes et informe le colonel. Bonne chance. Mieux de bouger. Merde! Tu les entends? On va reculer un peu. Thank you.
camp, Artyom. Suis-moi. En retournant sous terre, j'avais soudain réalisé que ma ville était à présent un endroit hostile et étranger pour moi. Je me sentais en sécurité ici, dans l'obscurité du métro. D'autant que Bourbon prétendait avoir des amis à la station aride. Écoute-moi bien. Les bandits dirigent cette station. Il faut qu'on se déplace sans faire de bruit pour jeter un œil. Si on ne voit pas mes amis, on se barre d'ici. Je me souviens de cette grille. On a qu'à... Merde, je rentre pas dedans. Bon, reste ici. Le premier dedans, ça roule. Attends, attends. Qui va là? Hé, hey, éclaire-moi un peu. Oh, mais regarde qui c'est. Bourbon l'ivrogne. Et regarde qui parle. Conduis-moi à ton chef. J'ai des choses à voir avec lui. Mon chef? Mais bien sûr. Alors, allons voir le chef. Où tu voudrais aller d'autre, toi, hein? Ok, ça suffit. Sinon, on va devoir le traîner. On se magne. On finira ça plus tard. On se magne. Tu dors ou quoi? On va voir s'il a oublié quelque chose. Je vois pas ses affaires. Ouais. Y'a que des rats ici. Ok, alors on y va. C'est comme ça que ça marche. Encore un. Y a quelque chose qui cloche. Quoi? Tu dors ou quoi? Merde, encore raté. Personne. Une...
Qu'est-ce qui se passe? Oh, merde! Je sentais qu'il allait y avoir un problème aujourd'hui. Fais pas ta poule mouillée. On va jeter un œil. Personne. Un rat, peut-être? Hein? Y'a quelqu'un. Silence! Merde, on perd des hommes! Sur la droite! Bordel, on perd des hommes!
je te recrève, bordel! Sur la droite! Qui est-ce que t'as amené avec toi? Couvrez-moi! Réponds, enculé! Ou je te mets une balle dans la tête! C'est le borne ou hypocrite? Artyom! Putain, mais c'est... Tu peux baisser ton arme, jeune homme. Une fin triste mais prévisible pour quelqu'un de son espèce. Je m'appelle Khan. Eh bien, je suggère de quitter cet endroit sur le champ. Les compagnons de ces bandits ne tarderont pas à rappliquer, et je préfère éviter un autre bain de sang. Je rentre à la station maudite. L'humidité ici réveille mes rhumatismes. Si tu veux connaître le même sort que ton ami, ne te gêne pas. Reste ici. Sage décision.